Maurice, il n'est pas passé, c'est normal. Ouais, Maurice, j'ai l'autorisation et du sang. Et du sang? Du sang, ils sont pas venus encore. C'est l'équipe, mais non, je sais ce qu'on dit. Entrez, mettez les sacs. J'ai oublié de rayer, mais non. On va voir. On va voir, ouais. On va les laisser jouer un petit peu pour que ça commence à... Non, parce que je pense qu'on est dans nos mains. D'accord. J'ai appelé ceux qui ont les trois maillots dans les mains. J'ai appelé les chefs d'équipe, là, pour l'instant. Les joueurs TH Chypriote. Défi au capitaine. Capitaine. Oh, mais c'est bon. C'est international. Normalement, c'était Yannick Thomasson. Alors, Cœur de Champion, en fait, c'est une association qui s'occupe d'aider les enfants malades, les enfants hospitalisés. En fait, le but, c'est de récolter des fonds au profit des enfants et d'aider un petit peu les enfants à mieux vivre leur handicap. Parce que ça permet à tout le monde, des anciens joueurs et des joueurs de la région, de se retrouver et passer une journée ensemble. Je trouve que c'est formidable parce que, et en plus, il n'y a pas eu de blessés, il n'y a pas eu de problème, donc c'est une journée très agréable. Et dès que je suis rentré, t'as vu, on était menés 5-1, t'es sorti, ça fait la différence. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Là, vous avez plus de pellicule. Ouais, c'est ma chance. Mais je vous dis, c'est ma chance. C'est dur, il faisait chaud. Il y a longtemps que j'ai pas touché le ballon. Mais on reviendra avec plaisir si ça se refait. Pour ma part, de revoir, je veux dire, tous les anciens et certains joueurs que j'avais pas revus depuis c'était l'objectif, 15-20 ans. C'était sympa ce mélange entre les anciens pros, les anciens joueurs, grands joueurs régionaux et les joueurs actuels. À refaire toutes les années. Quoi. Bon, ouais, les filles bien. Aussi qui ont participé. Des bonnes équipes. Ouais. L'équipe Grenache en finale, c'est costaud, hein. C'est du costaud. Hein. Et puis voilà, quoi, c'est sympa. Ça change un petit peu de l'ordinaire. Quoi. L'élimination de l'équipe Flo Maurice, on est quand même sur du sportif quand même. L'élimination de l'équipe Flo Maurice en quart de finale, c'est une grosse surprise quand même. C'est une grosse surprise, mais je sais pas, il est pas bien en ce moment. Merci à Michel, nous Michel Maillard. L'ami des enfants. Qu'est-ce qui s'est passé ce soir? On a fait notre tour, hein. On fait un peu de social et voilà, et ça marche pas. Beaucoup de déceptions? Non, aucune. L'important c'est de participer. Faire contre Paco Bandera quand même, l'équipe de Paco Bandera, c'est quand même un honneur. C'est un honneur? Ouais, un honneur. Ah, bravo. Paco, ça fait bien. Et comment t'as senti ce tournoi? Bien, 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 t'as été bon.
signaler. Grande performance. Mais bon, on va qu'il soit l'année prochaine. On va revenir. On revient sur l'année prochaine. Enfin, on revient l'année prochaine. Voilà. Pour faire aussi bien, il faut qu'il le gagne. Moi, pour faire aussi bien, il faut que je passe en quart. Oui, mais on va relever le niveau l'année prochaine. Ouais, mais je vais prendre une équipe à moi. Là. C'est vrai ? Je vais amener 2-3 collègues. Ah, tu vas amener 2-3 collègues. Donc l'année prochaine, tu vas venir pour gagner alors ? Non, pour passer le... Ah non, ouais. Tu viens avec 2-3 collègues, pour c'est pour faire mieux que 8ème de finale. Pour faire mieux que 8ème de finale. Là, pour faire mieux, faut qu'il fasse aussi bien. L'année prochaine, il ne gagnera pas. Donc, il sera déçu. Et tout le monde va dire, ouais, c'est un accident. Est-ce que moi, je vais marcher progressivement ? D'accord, ok. Donc ça veut dire que vous revenez l'année prochaine, c'était une bonne nouvelle. Voilà. Ah, pour toi, Denis, tu sais comment on est. Ah, voilà. We'll be right back.